Marc Lavoine en couple avec Adriana Carambeu, au moins, j'aurais connu sa peau. En septembre dernier, Marc Lavoine mettait fin à une rumeur relayée par la presse People en s'affichant, bras dessous, avec sa nouvelle compagne, Adriana Carambeu. Les amoureux ont échangé des baisers passionnés à la soirée du Concerto pour la paix. Et cela a donné lieu à des moqueries sur Twitter. Depuis, le chanteur a pris la parole. Invité des Europe 1 ce 18 octobre, dans l'émission Culture Média, Marc Lavoine n'a pas échappé à des questions sur son couple. Et elle interprète des tubes Le Parking des Anges, Je ne veux qu'elle ou encore Elle a les yeux revolver ne cesse pas fait prier. Pour dire tout le bien qu'il pense de la belle Adriana Carambeu, laquelle a divorcé de son mari André Ohanian en 2022. C'est très difficile d'être amoureux d'une femme comme elle, c'est vrai qu'on est assez bien ensemble. C'est vrai que le bonheur existe alors parfois, il s'en va au bras de quelqu'un d'autre et là, c'est à mon bras qu'il était, ça fait vraiment du bien. C'est un bonheur de vivre ça, je suis heureux, même si ça dure un an, deux mois, un jour, au moins, j'aurais connu sa peau, a-t-il confié. Le chanteur âgé de 62 ans a eu plusieurs femmes dans sa vie et, l'amour, il en connaît un rayon. Mais cela ne lui a pas toujours porté chance. C'est vrai que quand je m'engage, c'est totalement, alors bon, c'est parfois un peu compliqué. Mais, c'est ma façon de faire. Avait-il ainsi confié dans l'émission 50 minutes Inside sur TF1. Elle est passée d'une taille 48 à 40 en changeant simplement ces trois choses dans son alimentation. C'est un très bon investissement. Cette pièce mango à seulement 25,99 € peut se porter de 5 façons différentes. Alors qu'il était questionné sur le deuil de ses relations amoureuses, notamment après son divorce d'avec Lynn Papin. Marc Lavoine ajoutait, est-ce qu'on fait le deuil? Je ne sais pas parce que j'ai divorcé 3 fois, je me suis séparée 4 ou 5 fois. On ne fait jamais le deuil de ces choses-là, c'est comme l'enfance. Donc, je ne fais pas le deuil. Je n'ai pas fait le deuil et je préfère ne pas le faire finalement. Voilà Adriana prévenue.